Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo retour de course, mais un petit peu particulière parce que nous sommes aux États-Unis, donc du coup, on vient d'aller faire nos courses. Donc on est allé dans deux magasins, chez Target et chez Walmart. Juste là-bas, je pense que ça fait un peu le focus. Vous allez voir, il y a plein de sacs puisqu'en fait, ils mettent tout dans les sacs. C'est directement le caissier qui met dans des sacs et il en met plein, plein, plein. Il y en a énormément. Ça m'a choqué le nombre de sacs qu'on a. Je vous ai tout mis sur la table ici et du coup je vais vous faire comme un retour de course lambda. Je vais prendre la caméra, du coup je ne serai pas devant et je vais tout vous montrer. On en a eu pour à peu près 400$, ce qui doit faire je pense 340 euros. Donc c'est pas donné du tout. Après j'ai acheté pas mal de choses qui sont non alimentaires, j'ai acheté d'autres trucs que je vais ramener à la maison et j'ai acheté des choses pour me faire plaisir. Enfin vraiment c'était pas des courses calculées avec une liste établie de menus et tout puisqu'on va faire beaucoup de restaurants ici. À savoir aussi, chose très importante, le prix qui est affiché en magasin n'est pas le prix que vous allez payer puisque arrivé au magasin vous allez payer des taxes. Mais c'est pas énorme parce que j'ai regardé sur le ticket, je crois à Target j'en avais pour 270$. Et j'ai regardé les taxes, il me semble que c'était genre 30 euros je crois ou 20, enfin je dis euros, 30 dollars ou 20 dollars, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme. Par exemple, s'il y a quelque chose qui est étiqueté à 6 dollars, en vrai vous allez peut-être le payer 6 dollars 10. Donc c'est pas énorme. Après c'est vrai qu'à accumuler ça fait quand même une petite somme. Mais voilà, chose très importante à savoir, si jamais vous allez aux États-Unis, le prix affiché n'est absolument pas le prix que vous allez payer. Donc du coup maintenant, let's go pour le retour de course. Donc là je vous remontre tous les plastiques qu'on a eu, c'est énorme. Là il va y avoir des habits, je vais vous montrer, il n'y a pas grand chose mais du coup j'ai mis sur le côté. Là je vais vous montrer tout ce que j'ai mis sur la table en sachant qu'il y a 2-3 trucs qu'on a déjà mangé. Et là le gros pack d'eau, donc je ne pouvais pas le mettre sur la table, donc il est là. J'ai pas le prix de tout donc du coup je vais pas vous les dire, je vais juste vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai pris des couches pour Aiden, donc des couches culottes puisque je les ai pas embarquées avec moi, ça aurait pris trop de place dans l'avion, dans les bagages, etc. Je lui ai pris des couches pour aller dans l'eau, donc pour la piscine ou pour la mer. Je lui ai pris des lingettes. Ensuite en hygiène j'ai pris ce rasoir parce que en bagage à main je crois que j'avais pas le droit donc j'en ai pas pris. Et ce qui est bien c'est que vous avez déjà le gel intégré pour éviter de vous mettre vous savez le gel de rasage. Je me suis pris plein de produits pour les cheveux qu'on ne trouve pas forcément en France, donc en fait vous les trouvez genre sur Amazon ou sur des sites dédiés mais qui sont quand même pas mal chers. Donc le She Moisture, donc pour les boucles, là j'ai pris une housse, pareil pour les boucles. J'ai pris le gel Eco Styler, le rouge, parce qu'il me semble que c'est celui-là qu'on m'avait dit qui était super bien. Le vert aussi est pas mal. Donc là en plus il était donné, franchement j'étais choquée, le gros pot comme ça il était à 2$. Vous vous rendez compte, 2$. Et c'est le très gros pot hein, c'est pas le petit. Du gel Cantu. Ensuite j'ai pris de la crème solaire, donc j'ai pris celle-là, il y avait plein de marques, je savais pas laquelle prendre. Juste le fait que ce soit un spray et que ce soit 50. Et ici, alors ça je l'avais jamais vu en France, dites-moi si jamais vous avez vu. J'ai vu qu'il y avait des crèmes solaires, donc pas en spray, dommage, mais en crème jusqu'à 70. J'avais jamais vu ça avant. Donc à savoir aussi qu'aux États-Unis, on peut prendre des médicaments directement dans le magasin sans passer par la pharmacie. Enfin c'est dans le rayon pharmacie mais je veux dire c'est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de passer par un pharmacien. Donc j'ai pris Zyrtec, donc ça c'est pour les allergies, je vais tester. Et si jamais ça marche bien, je vais en prendre pas mal, enfin pas mal, je m'entends, je vais en prendre quelques-uns pour aussi la France. Parce que Zyrtec on l'a déjà en France mais je sais pas si c'est plus dosé ou quoi. Parce que j'ai vu sur pas mal de médicaments qu'on connaît, on est allé regarder, c'était quand même plus dosé. Donc à voir. On a pris un petit baume à lèvres du coup pour les enfants. Des médicaments donc pareil qu'on peut prendre sans ordonnance, sans rien. Donc ça en fait c'est l'équivalent du paracétamol il me semble. Donc c'est du Doliprane et ça c'est anti-diarrhéique. Donc voilà, j'ai quand même préféré prendre ces deux médicaments. On sait jamais ce qui peut nous arriver. Au moins on les a sous la main, même si j'ai quand même fait une trousse à pharmacie, j'avais pris quand même pas mal de choses mais c'était surtout pour les enfants. Ensuite j'ai pris cette petite poêle pour faire des pancakes en forme de lapin. Elle était trop mignonne et elle était pas chère. Et je crois qu'il y a déjà le mix dedans. C'est ça, pancake mix. Donc il y en a déjà un peu dedans pour faire une première tournée. Et je crois que c'était 5$. Donc vraiment pas cher. Ensuite, au rayon déco, j'ai pris 2-3 trucs. Mais j'irai directement dans des magasins spécialisés pour me prendre ce que je veux. Mais déjà, rien que dans le Target et même à Walmart, il y avait quand même pas mal de déco. Donc j'ai pris un torchon bleu comme ça.
Et j'ai pris de la même gamme. Il y a également un torchon avec les maniques. Ça, c'est quand je fais ma déco bleue en été. J'ai trouvé ces deux torchons-là. Donc celui-ci jaune et celui-ci avec des fleurs. Donc pour faire la déco de printemps dans ma cuisine. Mais comme je vous ai dit, j'irai directement en magasin de déco pour trouver plus de choses. Pour les enfants, enfin du coup pour les plus petits, je leur ai pris deux trucs comme ça de coloriage. Donc là je leur ai pris des feutres qui sentent. Et ça du coup c'est des trucs d'activité. Et si j'ai bien compris, le feutre c'est les feutres à l'eau. Vous savez, je crois que ça s'appelle Aqua Doodle ici en France. Et bien là vous l'avez mais directement en pochette. Donc ça m'avait l'air bien, si j'ai bien compris, mais il me semble bien que c'est ça. Donc un Spider-Man pour Maddy et un Pat Patrouille pour Aiden. Ensuite on va passer du coup au frais et là ça va être la viande. Donc j'ai pris des pilons parce que du coup on a un barbecue dans la maison et qu'on compte en faire. Donc j'en ai pris que 4 puisqu'il y aura plein d'autres trucs à manger et que j'avais pas envie de trop en prendre. Au niveau des prix, comme vous voyez, donc c'est 5,06$ en sachant qu'après il y a les taxes à rajouter. C'est quand même un petit peu plus cher qu'en France. Je sais pas combien il y a de grammes, je vois pas d'ici. Mais quand je vois les poulets en fait, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu plus cher qu'en France. Mais c'est pas non plus excessif en sachant que c'est du organique. Ensuite j'ai pris des petites saucisses de dinde, donc ça pour faire des hot dogs. Donc on en a pris 2. On a trouvé de la vache qui rit, donc comme au Maroc, comme il m'a dit Walid, avec plusieurs parfums différents. Donc là c'était ail et fines herbes, truc qu'on trouve pas en France ou alors peut-être dans les très grandes villes, mais en tout cas par chez nous il n'y en a pas. On a pris du bacon de dinde, on a pris du jambon. Alors celui-ci on l'a pas encore goûté, celui d'avant on l'a goûté, donc là c'est à l'envers, désolé. Il est bon mais il pique et on dirait qu'il y a un petit peu comme du miel à l'intérieur, c'est trop bizarre. Et les sachets, ils sont trop bizarres, ils peuvent se refermer vraiment bien en clips. En fait on dirait qu'ils ont mis le jambon dans un ziplog là et ça fait trop bizarre. Après au niveau des prix, j'essaie peut-être de vous le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Je vais vous montrer, on a 5$ et c'est en livres, je sais pas combien ça fait en grammes, je sais pas du tout. Vous voyez, il y a une dizaine de tranches je pense, pour 5$. Donc après ça a l'air d'être découpé soit sur place ou dans un atelier, enfin ça fait un petit peu moins industriel que les jambons que nous on peut avoir en France. Donc je sais pas si c'est ça qui justifie le prix. En tout cas j'ai pas trouvé de jambon comme nous on a vraiment en sachet un peu, vous savez, un petit peu comme ça. J'ai pris des yaourts, donc ça je les ai pris à Target, mais je suis allée dans un petit Target où il n'y avait pas énormément d'alimentaire. Donc il n'y avait que ceux-là, mais par contre un truc qui m'a choquée c'est les pots. Je sais pas si on va se rendre compte, ils sont énormes. Franchement un pot vaut 2 pots de ce qu'on a en France. Franchement un pot de yaourt en France c'est 125 grammes. Là faudrait que je regarde, mais il me semble pas que ce soit 125 grammes. Non vous voyez, là je l'ai, 170 grammes. Donc après j'ai abusé à dire 2 pots, mais voilà c'est vraiment très gros. Walid s'est pris des surimi, mais c'est vraiment des très bons surimi je pense. Ah non, imitation crabe, donc c'est pas des vrais crabes. Mais bon bref, voilà, des surimi, ils sont très gros aussi. Rien à voir avec ce qu'on peut avoir en France. On a pris des petits fromages pour les enfants, donc pas de patrouille. Ça ressemble un petit peu au ficello. Les Danimals qui sont en fait l'équivalent des Yop. Des petites gourdes de compote. En plus ce qui est trop bien, c'est que le packaging, quand vous le coupez, il s'ouvre comme ça pour pouvoir le mettre directement au frais ou même dans votre garde-manger et prendre beaucoup plus facilement. Et dans le frais, j'ai pris des cheesecakes. Donc il y a plusieurs variétés. Donc c'est pas ceux de Cheesecake Factory, pour celles qui m'ont suivi à Dubaï, vous savez que j'ai trop aimé. C'est pas ceux-là, je les ai pas trouvés. J'essayerai peut-être dans d'autres magasins, mais en tout cas ils avaient l'air quand même super bons. Ensuite on a pris des pains comme ça pour faire des hot dogs, donc avec les saucisses de dinde. Du pain de mie, franchement leur pain de mie, je suis choquée, ils sont ultra moelleux, mais vraiment genre à peine on fait ça on sent qu'ils sont moelleux. Donc on en a déjà mangé parce qu'on s'est fait des sandwichs tout à l'heure, donc avec le jambon que je vous disais, et franchement ils sont très bons. Là j'en ai pris un du coup à la farine complète. Pris des chips, donc celles-ci qui sont un petit peu épicées je crois, et celles-ci normalement je pense qu'elles sont sans épices. Du Red Bull, ça je veux absolument tester ça. Donc ça c'est un mix à pancake, donc c'est à dire que je pense que vous rajoutez juste le lait et non, de l'eau, juste on rajoute de l'eau et on peut faire des pancakes. J'en avais goûté un qui venait de chez So Shape je crois, et j'avais trop aimé. Et du coup si celui-ci est vraiment bon, je vais en embarquer pas mal en France, parce que ça c'est des trucs qu'on trouve pas. En parlant de choses qu'on trouve pas, j'ai voulu prendre ce creamer.
avec mon accent. Donc cette crème en fait où vous mettez dans votre café. Et là, donc là pour le coup c'était la marque Starbucks, mais vous aviez énormément de marques et ça c'est un truc qu'on ne trouve absolument pas en France. En plus ça se prend au rayon frais, donc c'est pas quelque chose qu'on peut acheter et prendre en fait avec nous. Et donc ça prend place le lait, au lieu de se faire un café au lait et se rajouter du sirop, bah vous mettez directement ça. Donc voilà, trop hâte de tester celui-ci et voir ce que ça donne. J'ai pris du lait pour les enfants, donc c'est du lait directement avec du chocolat. Ça pareil, à savoir, ça se prend au rayon frais parce qu'en fait c'est du lait qui n'est pas pasteurisé. Faut savoir que le lait pasteurisé c'est bon, pas forcément quelque chose qui se fait que en France, mais grandement en France en fait. Pasteurisé, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, c'est qu'il est cuit deux fois. Et donc c'est pour ça qu'on peut le laisser dans une brique à l'extérieur du frigo. Et eux ici n'ont pas ça, c'est-à-dire que le lait c'est du lait frais. Et donc il est dans des bouteilles comme ça ou alors dans des sachets. Et ça se prend dans les rayons frigo et il faut absolument le laisser au frigo. Donc je vais vite le ranger quand j'aurai fini. Donc on a pris de la mayonnaise, ketchup. J'ai essayé de prendre les packaging les moins gros puisqu'on ne va pas les embarquer avec tout. Vous voyez la taille, c'était les moins gros. Il n'y avait pas plus petit que ça. Alors qu'en France, nous, on a des toutes petites bouteilles. Quand je vais au camping, je prends les toutes petites comme ça, qui tiennent, qui font la taille d'un doigt. C'est un truc de fou. J'ai pris cette sauce à salade, donc italienne. On va voir ce que ça donne. La sauce ranch ici, c'est un classique. Donc je voulais tester, donc je l'ai pris en light. Je ne sais pas si ça fait bien le focus. Et vous l'aviez dans toutes les déclinaisons possibles. Il y avait carrément un rayon que de sauce ranch de cette marque. D'ailleurs, en parlant de light, du sirop d'érable, du coup, sans sucre, je sais pas ce que ça va donner. On verra sur les pancakes. Là, je me suis pris des petits sirops pour mon café, mais ça, c'est ce que je vais embarquer en France. Je vais pas les ouvrir ici. C'est des bouteilles en plastique en plus et j'étais choquée du prix. Donc là, j'ai pris French, enfin vanille française. Et là, avec la noisette et cette bouteille qui doit faire je pense 75 millilitres, c'est moins d'un litre, je pense que c'est 75 centilitres. Elle m'a coûté 4 $, donc sans les taxes, mais bon ça fait un petit peu plus de 4 $. Il y en a énormément, j'ai de quoi faire. C'est pas le prix des sirops de café qu'on paye en France, clairement. En France c'est beaucoup plus cher. J'ai pris ça, du Crisco. Je suis désolée, ça fait pas le focus depuis tout à l'heure. Donc j'ai pris ça, du Crisco, apparemment c'est bien pour faire, pour travailler la pâte à sucre. Et je me suis dit si jamais je dois refaire un gâteau en pâte à sucre, bah, j'essayerai avec ça. J'ai pris bon de la confiture de framboise toute simple. Ensuite au niveau des fruits et légumes, donc j'ai pris une barquette de fraises, donc il n'y avait pas plus petit que ça. C'était pas donné non plus, hein, je crois que c'était 6 $ quand même, et je pense qu'il y a 1 kg. Je vois écrit ouais 900 grammes, donc quasiment 1 kg, c'est une très grosse barquette. J'ai pris des petites tomates cerises. Le packaging m'a fait trop rire. On dirait une ruche d'abeilles. Bon, après, c'est fait exprès. Mais voilà, des petites tomates cerises. On a pris des tomates normales. Donc ça, on en a déjà mangé parce qu'on s'est fait des sandwichs. Aiden a croqué dans celle-ci. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'il aime trop croquer dans les tomates. Donc j'avais tout posé ici pour faire le retour de course. J'ai eu le temps de me retourner et il avait croqué dans la tomate. Du raisin noir. De la salade, j'ai pris des maïs parce que je vais les faire au barbecue, je vais les faire cuire à l'eau et ensuite au barbecue. Concombre, on en a pris 2 et du coup il en reste 1, mais c'est trop bizarre parce qu'il ressemble pas au nôtre, il ressemble plus à une courgette. Comme vous voyez déjà il a des petits points, chose qu'on n'a pas trop en France, et surtout il est très large et très petit. C'est trop bizarre parce que nous en France ils sont très longs et très fins. J'ai pris 2 mangues, une pastèque, donc petite astuce pour choisir votre pastèque. Normalement, il faudrait qu'elle soit plus foncée. Hein. Mais là, elle était quand même très claire. Je vous dirai si jamais elle était bonne ou pas. Mais il faut vraiment qu'elle ait une grosse tache jaune. Au plus elle a une grosse tache jaune, au plus elle sera sucrée. Donc, la salade. Ensuite, on a pris des boissons qui font 2 litres chacune. Donc ça, c'est comme du 7-Up. Walid m'a dit. Ça, c'est du Coca Zéro. D'ailleurs, il n'a pas le même goût qu'en France. Il ressemble beaucoup au Coca normal, mais du coup en zéro. Et apparemment, ce serait une nouvelle recette de ce qui est écrit ici. Ça me fait le focus. Voilà. Donc après, est-ce que c'est une nouveauté ici qui arrivera en France? Je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas le goût du Coca zéro. On a pris du jus, donc pareil, toujours très gros packaging. Je pense qu'il y a 2 litres. Donc jus de pomme, et ça, c'est jus de raisin, je crois. Oui, c'est ça, jus de raisin. D'ailleurs, j'ai pris des céréales. J'ai essayé de prendre le pack le plus petit, mais comme vous voyez, c'est quand même très gros. Et j'ai pris quelque chose qui ressemble à ce qu'on mange ici en France, parce que généralement, les céréales, c'est plus pour les enfants. Donc j'ai pris du chocolat.
tous les autres trucs, ça ressemblait énormément au Lucky Charm, donc avec du rose, du sucre et tout. Et ça, je sais que mes enfants, ils sont un peu compliqués, donc j'avais peur qu'ils aiment pas. Et vu que c'est des gros paquets, bah, j'ai préféré miser sur une valeur sûre, donc le chocolat. Parlant de chocolat, donc on a pris les petits Reese's comme ça, miniature. Donc ça, c'est spécial pack, c'était au rayon pack. D'ailleurs, les petits cupcakes aussi. Et ça, vous en avez de partout, des gros, des petits et tout. Et c'est vrai qu'ils sont très très bons. Et donc du coup, ceux-là, ils sont chocolat avec glaçage jaune. Walid a pris ça. Donc ça, c'est du bœuf séché teriyaki. On en avait déjà goûté en France, lui, il aime bien. Mais pas teriyaki, c'était lambda, normal, je crois. Donc du coup, là, avec teriyaki, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris du guacamole, alors vous en avez toutes les sauces, le guacamole, des gros, des petits, etc. Là j'ai pris en petit format, puisqu'on va pas rester longtemps et que ça évite de gaspiller. Et au pire des cas, s'il y en a un qui est pas ouvert, on pourra toujours le ramener. Et du coup ce sera pour manger avec les chips juste ici. Ensuite niveau vêtements, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc moi je me suis pris des claquettes comme ça, c'est pas trop mon style, mais je me suis dit pour rester au bord de la terrasse avec la piscine et tout, ça peut être pas mal, ou même à la plage. Les enfants, je leur ai pris qu'un seul pyjama par personne puisqu'ils avaient un bagage à main. Donc là, je leur ai racheté des pyjamas. Pour Aiden, je lui ai pris comme ça avec le petit van en mode un petit peu hippie. Pour Noé, c'était plus gaming. Donc j'ai galéré d'ailleurs à trouver des pyjamas dans les grandes surfaces. J'ai l'impression qu'ils en faisaient pas trop. Et c'était que des trucs comme ça avec plein de logos. En France, on a quand même beaucoup plus de choix. Et pour Maddy, qui est un grand fan de Sonic, il a eu Sonic. Et ensuite j'ai acheté des bouées, donc ça c'est un petit gilet de sauvetage pour Maddy, parce que lui il a plus besoin de brassard, il prend simplement ça. Et pour Aiden, une petite bouée bébé pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Du coup voilà, ça aussi c'était pas donné, franchement je trouve que c'était même plus cher qu'en France. Après peut-être parce qu'ici c'est touristique, donc ils en profitent pour allonger les prix. Mais du coup voilà pour notre petit retour de course. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses, mais il n'y a pas non plus énormément de choses. Je pense que j'aurais acheté la même chose en France. Je pense qu'il a coûté cher, c'est surtout tout ce qui était textile, déco et tout, mais j'en aurais pas eu pour 350 euros en France. Franchement, non, le prix est quand même beaucoup plus cher. Je pense qu'en France, j'en aurais eu peut-être pour 200 euros, 250 grand max, mais ouais, c'est vrai que c'était pas forcément donné. Et voilà, ce petit retour de course américain est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Mientras hay otra en tu cama, nunca pude más.